Après une ouverture solennelle à laquelle on a assisté hier, donc de la première édition du forum MD Sahara, qui se tient cette année à Dakhla. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à la dernière journée. Donc après deux jours d'intenses travaux, d'échanges, de débats et de réflexions, on peut retenir de cette première édition la qualité des interventions, la qualité des personnalités. Retenir aussi que lors de cette première édition, on était là pour échanger, pour utiliser pour échanger pour un objectif commun, si vous voulez. Donc on n'était pas là pour nous donner des leçons mutuellement. Alors en ce moment même, il y a le comité qui est en train de travailler sur des recommandations retenues lors de cette première édition. Parmi ces recommandations déjà, nous avons le lancement de l'Observatoire africain de développement économique et social. Alors là, ce sera une sorte de plateforme pour plusieurs pôles. Les présidents donc de ces pôles vont travailler pour fédérer un certain nombre de personnalités afin d'œuvrer pour accompagner cette Afrique qui est riche de potentialités, d'opportunités aussi. Alors on va travailler sur plusieurs secteurs, à savoir bien entendu le développement économique. Et sur ce plan-là d'ailleurs, on a retenu qu'il faut commencer par la coopération entre régions pour aboutir, si vous voulez, à une coopération avec l'Afrique et de manière à ce que le Maroc soit effectivement cette porte sur l'Afrique et le monde.